communication du président adjoint du Bucopen Bucodec. Peuple de Dieu, peuple choisi de la seconde nation de Dieu le Père, OPH Sébaoth Yahvé le Tout-Puissant, frères et sœurs en Christ, un grand jour s'annonce, un grand événement pointe à l'horizon, celui de la célébration de la fête de la venue et de l'implantation définitive en Afrique noire, au Congo-Brazzaville, à Kibosigars FCO, très exactement au mont Karikari, de l'étoile de la promesse, l'étoile de David ou de Bethléem. En effet, en date du 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, l'Éternel Dieu a accompli un très grand événement salutaire pour l'humanité tout entière, pour toute race, toute langue, tout peuple vivant sur terre. En cette date mémorable, l'Éternel Dieu a ramené et implanté définitivement sa lumière au Congo-Brazzaville. Cette lumière représentée par cette étoile qui jadis guida les trois rois mages pour découvrir l'endroit où naquit le divin roi Jésus-Christ. Cette même étoile s'est déplacée de l'Orient pour la belle Afrique depuis le 20 mai 1992. À la brise du soir, de 20h jusqu'à 3h du matin, cette grande et terrible lumière a brillé, brillé, brillé tout autour du mont Karikari. Elle a tournoyé, dis-je, dès 20h, puis elle a roulé et s'est arrêtée à l'aube du jour à 3h du matin. Ce terrible événement qui vient marquer l'accomplissement des promesses bibliques, notamment celle de l'apôtre Jean en prison sur l'île de Patmos, je cite, « Et je vis descendre de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée de son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, de 2 à 3. Fin de citation. Il y a lieu de révéler ici, à la face du monde, que Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu dont nous lisons dans la Bible, est revenu chez lui avec tout son gouvernement céleste, anges, archanges, séraphins, prophète, patriarche, etc. Dieu est revenu chez lui et s'est installé définitivement au mont Karikari, la cité trois fois sainte, montagne dont il a bâti lui-même les fondations, demeure dont les patriarches et les prophètes ont attendu son vivre l'accomplissement de la promesse divine. Car la Bible nous enseigne, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, habitant comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, de 9 à 10. À l'occasion donc de la célébration du 30e anniversaire de la venue et de l'implantation définitive de la lumière divine au mont Karikari, le peuple de la deuxième nation, de Dieu le Père, de l'association Luzolo Amour OPH, célébrera cette grande et terrible fête au site du Collège des métiers agricoles de Ngoyo, CMA en sigle, samedi 21 mai au dimanche 22 mai 2022. La journée du samedi s'ouvrira par une marche, autrement appelée défilé, qui partira du mont Ararat à 9h jusqu'au site de la célébration de la fête à partir de 12h et la journée du dimanche de 8h30 à 17h. Sur ce, nous invitons massivement tous les frères et sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kwilu à prendre part à cette marche très significative pour l'éclosion de la lumière et aussi à la population de Pointe-Noire et ses environs à venir prendre part à la lumière de Dieu qui brille au Congo-Brazzaville
pour le bonheur de l'humanité tout entière. Bonne fête de la lumière à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Onseti, Tacite Tombekende, ténor.